Je ne regrette rien parce qu'il faut bien vivre. Je ne sais pas comment font les autres pour perdre autant de poids en peu de temps. C'est extraordinaire. Là, je me rends compte que les gens qui perdent du poids très rapidement ou qui ont une transformation assez impressionnante en 6 mois, waouh, ce sont des super-héros. Hein. Honnêtement, là, c'est. Ah faites le sport, faites une activité physique pour vous permettre de dissoudre ces calories. Je valide après. Ouais. J'ai fait 4,99. Alors mon bilan est assez mitigé, je n'ai pas su perdre quelques kilos par mois comme je l'espérais au début de cette aventure. Là on peut parler d'échec évidemment parce que j'ai commencé cette aventure début septembre 2023, là nous sommes le 28 janvier 2024 et je n'ai pas encore perdu quelques kilos, donc c'est un échec total. J'ai encore du mal avec ma consommation de féculents et les quantités aussi, mais je continue, les fêtes ne m'ont pas aidé aussi. Alors j'ai bu, j'ai consommé énormément de chocolat aussi. Je ne regrette rien parce qu'il faut bien vivre. Non, je ne regrette rien. C'est payé, c'est balayé, c'est du passé. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. A slow burn like a disease. Just tell me that I can't show you things that you... je fais combien de tours de terrain, caméraman? T'en fais 5. 5? Can't show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me. Quoi? Non, c'est pas encore 2 tours. C'est là-bas, ça fait 2 tours. Pardon? C'est là que ça fait 2 tours. Pourquoi tu t'arrêtes? C'est gratté. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Thousand years later. J'ai fini mes 5 tours. Bordel. Oh putain, qu'est-ce que c'est dur. Ouais. Je me repose un petit peu. Et ensuite, je vais enchaîner avec d'autres exercices. C'est dur, mais j'ai la conviction que je vais retrouver mon point de forme. Mais c'est dur, mais t'as rien fait à parcourir sur le terrain. Pardon. Mais ma belle. J'ai fait 5 fois le tour en fait. 5. 5, j'ai fait du foot aussi. Pendant environ 20 minutes. Mais c'est beaucoup déjà. Bref. Bon, la caméraman derrière, hein. Excusez-la, elle est un peu. Excusez-moi. Mais voilà, je me repose un peu, c'est compliqué. Toi, tu crois que je vais maigrir? Ce rythme-là, peut-être en 2040. Take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this.
Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. On a une dernière série. Maman va passer. J'ai des jambes de perte de poids, j'ai terminé à consulter pas mal de spécialistes. J'ai vu un podologue, mais ça c'est grâce à ma rééducation. Bon, je le savais quand même que j'avais un petit souci au niveau de la jambe, mais je ne savais pas que ça pouvait me poser des soucis au niveau du sport, de la marche, au niveau de l'effort physique. Un petit rappel tout de même, si vous êtes en surpoids ou que vous êtes obèse, et qu'après un effort physique, hein, vous éprouvez une difficulté à marcher ou une douleur insoutenable, je vous conseille vivement d'aller consulter un peu de...